Les dirigeants des 6 États membres de la CEMAC multiplient les efforts pour relancer leur économie plongée dans la crise financière. C'est la décision adoptée par ces derniers au cours du 13e sommet ordinaire qui s'est déroulé à Diblo en Guinée équatoriale ce vendredi 17 février. Pour juguler la situation de la crise économique, les chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'engagent à mobiliser des ressources en organisant une table ronde des partenaires économiques. Au sujet des modalités de financement de ce plan opérationnel, la conférence a décidé d'une stratégie de mobilisation de ressources qui se décline notamment en l'organisation d'une table ronde des bailleurs de fonds sous la conduite du président dédié au PREF CEMAC, son Excellence Denis Sassou Nguesso. En dépit des sujets économiques et sécuritaires, il a été aussi question d'aborder le sujet de la libre circulation des personnes dans l'espace CEMAC. Sur ce sujet, le Gabon et la Guinée équatoriale ont désormais accepté la libre circulation des personnes dans la zone. Les deux pays, le Gabon et la Guinée équatoriale, qui s'étaient entre-temps mis en marge de la libre circulation des personnes, ce qui compléterait le dispositif du marché commun, ont déclaré solennellement que désormais, très rapidement, ils vont appliquer la libre circulation des personnes. Lors de la cérémonie de ce 13e sommet de la CEMAC en Guinée équatoriale, le nom du nouveau président de la Banque du développement de l'Afrique centrale a été officiellement révélé. Il s'agit de l'Équato-Guinéen Fortunato Ofamo Tchama qui remplace le Tchadien Abbas Mahamat Toli. Rappelons que le prochain sommet des chefs d'État de la CEMAC aura lieu à N'Djamena, au Tchad.